La loi allait tuer cette femme avec des pierres. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde a des pierres pour attaquer les autres, juger les autres, attaquer tel pasteur, juger telle sœur de l'église, juger telle femme. Qui es-tu pour juger ton prochain? Jésus a dit, lequel d'entre vous ici, du plus petit au plus grand, personne n'a osé kofungula munoko, ouvrir la bouche. La main commençait à peser parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème. Et on dit, Jésus, écrivez par terre avec son doigt. Ah oui, je me rappelle, sur la montagne, il a pris des tablettes et il écrivait sa loi avec son doigt. Sont comme un vêtement souillé. En hébreu, vêtement souillé, c'est un peu l'image d'une femme, excusez-moi, qui a ses menstruations et dont les vêtements sont salis par le sang. J'en connais une. La loi avait dit qu'elle ne pouvait pas s'approcher parce qu'une femme qui saignait ne pouvait pas s'approcher de la foule ou des hommes. Mais elle a dit, je sens qu'il y a une loi au-dessus de la loi juive. Il y a un homme que j'ai appris qui est en train de passer. Il n'avait aucun problème de rencontrer cette femme. Il allait chez cet homme qu'on appelait Jairus prier pour sa fille qui était malade. Lorsque cette femme vient, elle va toucher Jésus par l'arrière. Parce que tous ceux qui ont vu Jésus ont vu Dieu dans l'Ancien Testament. Ils ont vu le dos de Dieu. Ainsi, ils réclamaient de voir la face de Dieu. Et Dieu disait, cherchez ma face. Jérémie 29, verset 13. Je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que Dieu tournait son dos, car le dos est l'image de la loi. Il fallait une grâce spéciale pour que Dieu ose tourner la grâce que Moïse a eue de le parler face à face. Dieu se vantait, il a dit, mais lui, il allait différent, c'est pas comme vous. J'envoie des visions, des prophètes, des songes, mais lui, il a ses faces. C'est une grâce. Mais Moïse a dit, fais-moi voir ta face. Dieu a dit, tu ne verras pas, je te cache dans le rocher. On ne pouvait pas voir la face de Dieu. Et cette femme est venue aussi par derrière. Là où tous ceux soumis à la loi allaient toucher Jésus, allaient toucher Dieu. Mais lorsqu'elle a touché Dieu, Dieu a dit, tu ne verras pas que mon dos. Jésus s'est retourné. Et il a dit, qui m'a touché? La femme était tremblante comme ça, parce que son vêtement était comme... Ses vêtements étaient souillés par le sang. Lorsqu'elle a vu Jésus face à face, il a dit, ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi le christianisme, c'est la foi en l'œuvre parfaite, finie et accomplie de Jésus. Ce n'est pas la foi en tes efforts et en tes actions. C'est la foi en ce que Jésus a fait. Elle a vu sa face sans prier. Elle a vu sa face sans intercéder. Ses vêtements étaient souillés. Mais elle a touché aux vêtements de celui qui était pur. Si les vêtements sont des œuvres, nous ne sommes pas guéris, sauvés et justifiés par la conscience de nos œuvres. Mais par la conscience des œuvres que Jésus a fait. C'est ce qui purifie nos robes. C'est ce qui nous lave de 12 ans de gouvernement, le chiffre 12, 12 ans de gouvernement du règne du péché sur nous. J'aime beaucoup cette histoire. On prend une femme en flagrant délit d'adultère. C'était en quelle période? Sous la loi. Et Jésus, l'homme de la grâce, était là. Ils prennent la femme sous la loi, ils l'arrêtent sous la loi. Il la condamne sous la loi et Dieu n'était pas contre ça parce que c'était encore sous la loi. Mais ils ont fait l'erreur de jeter cette femme devant l'homme de la grâce. Ce que j'aime avec les fausses accusations, si tu es intelligent, elles vont te jeter aux pieds de Jésus. J'ai parlé à un pasteur qui a un problème en Europe avec sa femme, l'église. J'ai dit, fils, cours vers Jésus. David disait, je préfère tomber dans les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains de mes adversaires. Vaut mieux que Dieu me punisse au lieu que les hommes me punissent. Donc si la nana avant toi qu'elle n'est pas battue.
Ils ont fait l'erreur de jeter Jésus devant cette femme. Et Jésus dit, la loi a dit, mais moi je dis. La loi allait tuer cette femme avec des pierres. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde a des pierres pour attaquer les autres, juger les autres, attaquer tel pasteur, juger telle sœur de l'église, juger telle femme. Qui es-tu pour juger ton prochain? Jésus a dit, lequel d'entre vous ici, du plus petit au plus grand, personne n'a osé kofungula munoko, ouvrir la bouche. La main commençait à peser parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème. Et on dit, Jésus, écrivez par terre avec son doigt. Ah oui, je me rappelle, sur la montagne, il a pris des tablettes et il écrivait sa loi avec son doigt. Je me rappelle, à l'époque de Daniel, en face du chandelier, il a écrit sur le mur avec son doigt. Et dans l'Ancien Testament, on dit, il écrira leurs péchés sur la terre. Oui, oui. Il écrira leur iniquité sur la terre. Je crois que Jésus écrivait. Quand quelqu'un regarde et dit, on m'a vu que j'ai fumé. Jésus efface. Quelqu'un d'autre venait regarder. On dit que toi, tu t'es masturbé hier. Il dit, pardon, je laisse aussi. Il a vu l'autre. Toi, tu as volé dans la mamie de ta mère. Et il efface. Et tout le monde est parti. Jésus a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Moi aussi, je ne te condamne pas. Va. Mais ne pêche plus. La loi est venue par Moïse. Quand Moïse est venu, on l'a dit, ôte les sandales de tes pieds. Car la terre où tu es une terre sainte. Mais quand celui qui a porté la loi de la grâce est venu, son précurseur Jean le Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. Quand celui qui a porté la loi est venu, il a porté des lois qui ont été cassées après parce que les lois n'étaient pas éternelles. Elles pouvaient être brisées. Mais quand celui qui apporte la loi vient, il écrira sa loi dans les tablettes de nos cœurs. Quand celui qui apporte la loi est venu, 3000 juifs ont été tués ce jour-là. C'est là qu'on a appelé des lévites, on les a mis à part pour l'éternel. Ils ont tué 3000 personnes à la montagne. Mais dans acte 2, quand celui qui a apporté la grâce est venu, ce ne sont pas 3000 qui sont morts. Après que Pierre ait prêché, après que Pierre ait dit, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié. Ce n'est pas 2000 qui ont été sauvés, mais c'est 3000 qui ont été sauvés. Oh, j'aimerais dire à l'église de la francophonie qui me suit, ce n'est pas combien de dîmes tu as donné. Ce n'est pas combien 40 jours tu as respecté. Ce n'est pas combien de prémices tu m'as donné à ton père spirituel. Toutes ces choses sont bonnes. Mais elles doivent être basées sur la révélation que tu as de ce que Jésus-Christ a fait pour toi et pour toi seul.